ce matin dans le cadre du Nouvel An chinois que nous fêtons avec une gymnastique énergétique chinoise de santé. Vous avez tous vu ces images, les Chinois pratiquent dans les parcs en Chine, comme nous, aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est que chaque matin, puisque cette pratique est souhaitable le matin, enfin sous la forme que je vais vous proposer en tout cas, pour faire circuler les énergies. Plus vous mettrez de la douceur dans vos mouvements et du relâchement, et plus vous aurez des chances de sentir l'énergie circuler. Le Qigong s'appuie sur trois aspects importants. La respiration, qui est l'aspect probablement le plus important. On pourrait faire du Qigong sans mouvement. Par contre, du mouvement sans respiration, c'est de la gymnastique traditionnelle occidentale. Donc respiration, lenteur dans les mouvements qui vont peut-être vous surprendre. On fait des mouvements très lents. Le but de ces mouvements qui sont rythmés par la respiration, c'est de déconnecter le mental. Le mental, il est très vif, mais dès lors qu'on ralentit, il perd ses repères. Et le but, c'est qu'il perde ses repères et qu'il nous laisse tranquille pendant une petite heure. Voilà. Et puis ensuite, le relâchement du corps. Tout est basé sur une alternance tension-relâchement. Cette notion de yang et de yin. Le yang étant plutôt associé à la tension du mouvement et le yin au relâchement du mouvement. Les mains en cloche, et puis je passe à l'autre côté. Donc je disperse l'énergie pour commencer verticalement, puis je vais tonifier le genou, ramener de l'énergie. Posture de mes pieds, genoux déverrouillés, bassin relâché, menton légèrement rentré à la poitrine. Inspiration. Expiration. Alors ce mouvement est vraiment représentatif de ce qu'est le Qigong. Je viens capter l'énergie. Première phase. Deuxième phase, je concentre l'énergie dans mon corps. Puis troisième étape, je fais circuler l'énergie dans mon corps. Donc c'est ce qu'on appelle les trois C, capter, inspiration, concentrer, circuler, expiration.